Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais m'excuser donc pour la luminosité qui n'est pas terrible, mais je n'ai pas donc d'autres lampes pour m'éclairer mieux. Donc vous allez devoir me regarder comme ça. Désolée. Alors ensuite, donc je suis bien arrivée en Angleterre et je vous fais donc ma vidéo du C'est lundi, que lisez-vous en Angleterre. Il me manquera juste un bouquin à vous montrer, mais je pense que vous pouvez aller voir n'importe où le titre et l'auteur, vous verrez. Un résumé, etc. Voilà. De toute façon, j'ai déjà fait ma chronique des livres que j'ai lus, donc il n'y a aucun souci pour ça. Ce sera parfait, la vidéo, ça ira. Voilà. Donc, la semaine dernière, j'ai lu. J'ai lu Les Confidences d'Arsène Lupin, donc de Maurice Leblanc. C'est ce livre que je ne peux pas vous montrer. Et ensuite, donc, j'ai lu Georges Dandin de Molière. Donc, je vous montre le livre, je vous l'avais déjà montré lors de ma chronique, mais je vous le remontre aussi. Donc c'est aux éditions Bordas. Donc j'ai bien aimé cette pièce pour résumer, parce que bon, elle est courte. Ensuite les personnages sont rigolos et le sujet bon est typique, l'adultère. Donc ça m'a plu. Voilà. Donc petite lecture, mais pas mal. Si vous ne connaissez pas, c'est le moment de le lire. Donc je suis en train de lire Les hommes qui n'aiment pas les hommes pardon qui n'aimaient pas les femmes. Pardon, excusez-moi. Enfin donc c'est le premier tome de Millennium donc de Stieg Larsson. Voilà. Donc l'édition par contre je l'avais sur Livradict. Alors attendez, je regarde. Édition Actes Sud Noir. Voilà. Si je ne me trompe pas. Non, pas du tout. Excusez-moi, c'est l'édition France Loisirs. On va y arriver. Voilà. C'est ce que j'ai lu. Et donc, ce que je vais lire après ce livre. Enfin, j'ai pas eu vraiment l'occasion de lire parce qu'on s'est installé, etc. Enfin, bref. J'ai pas eu le temps de lire, mais je pense que les prochains jours, je pourrai lire. Donc, il n'y a aucun souci. Je pense que j'espère du moins le finir avant de partir. Et ce livre que je vais lire juste après celui-là, donc c'est J'ai décidé de me lancer, ça y est. Donc Les yeux jaunes des crocodiles. Décidément, je bafouille aujourd'hui, excusez-moi. Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. Voilà. Hop. Donc aux éditions, le livre de poche. Je vous lis ceci dit la quatrième de couverture. Ce roman se passe à Paris, et pourtant on y croise des crocodiles. Ce roman parle des hommes et des femmes, celles que nous sommes, celles que nous voudrions être, celles que nous ne serons jamais, celles que nous deviendrons peut-être. Ce roman est l'histoire d'un mensonge, mais aussi une histoire d'amour, d'amitié, de trahison, d'argent, de rêve. Ce roman est plein de rires et de larmes. Ce roman, c'est la vie. Voilà. Donc, premier d'une trilogie. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère pouvoir lire et pouvoir faire une chronique littéraire bientôt. Enfin, bientôt. Avec des gros bouquins comme ça. Donc, Stieg Larsson, Millennium, il y a 575 pages. Donc, j'ai de quoi lire. En plus, elles sont toutes fines, etc. Mais bon, c'est écrit, c'est des grandes pages, donc ça devrait aller. Et Les yeux jaunes des crocodiles, il y a. Attendez. 60. Attendez, parce qu'il y a la biographie à la fin. 661. 661 pages, pardon. Donc j'ai de quoi lire. Vous avez vu, j'ai pas pris des petits livres, j'ai pris des gros bouquins. Je me suis dit, là-bas, ça va, tu vas pouvoir lire, etc. Donc voilà. Bon, et eh bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!